Mais dans l'inaction, il n'y a même aucune probabilité de gain. Ce n'est, ça ne va juste pas arriver. Donc plutôt que de s'embrouiller, l'idéal c'est de faire quoi? On passe à l'action. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belias Valère, mais je pourrais me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu auras beau essayer sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier tu es cassé, ben, dis-toi que ton succès ne sera que partiel. Voilà pourquoi je t'invite fatalement à chercher brutalement l'argent. Si toi et moi on est d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ma personne, comme tu as pu le constater en introduction, c'est une femme. C'est une femme qui va nous servir de mentor aujourd'hui. La femme que tu as pu voir en début de vidéo s'appelle Nancy Ongolo. Qui est Nancy Ongolo? Nancy Ongolo, c'est la promotrice de la marque de produits de soins capillaires qui s'appelle The Queen. Mais aussi et surtout, la directrice de la filiale Startup Cosmétique. Startup Cosmétique qui est une filiale de la SARL Startup Group. Bref, c'est une entreprise camerounaise qui a désormais aussi un siège en Côte d'Ivoire. Et donc, le PDG, c'est le docteur Claudine Ibissi, alias mon mentor, you know. Et elle est mentor que vous méritez. Enfin, bref. Aujourd'hui, dans cette vidéo, elle va partager avec nous quatre choses à savoir si jamais tu souhaites te lancer dans l'industrie et t'en sortir. Comment passer d'une idée à une industrie? En réalité, le processus, il est un peu le même que pour passer d'une idée à un autre type d'entreprise. Ça veut dire, première des choses, c'est quoi le problème que je veux résoudre? C'est toujours par là qu'on commence. Si vous voulez faire un produit uniquement à cause de votre passion, c'est vrai que la passion, c'est bien. La passion permet de tenir lorsque ça devient lourd. Mais ne faites pas seulement parce que vous aimez. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous faites parce que vous aimez, c'est vous-même qui serez le consommateur. Et on se doute bien que si vous produisez, je ne sais pas, 1000 boîtes de chocolat et que vous êtes le seul à aimer, à un moment, ce sera pas compliqué, ce sera difficile d'écouler tout cela. Donc, quel est le problème que je viens résoudre avec l'industrie que je veux lancer? Supposons que ce soit un baume à lèvres. Quel est le problème que je viens résoudre avec ce baume à lèvres? Les gens, est-ce que je suis dans un endroit là où le climat fait en sorte que les personnes aient énormément les lèvres sèches, supposons? Ou bien un endroit là où les gens fument beaucoup et ils ont des lèvres noires. Si je viens dans un endroit où il n'y a pas ce genre de problème et que je sors un baume à lèvres, il y a des chances que ça ne sorte pas. Donc, première des choses, bien repérer, qu'est-ce que je veux résoudre dans mon environnement avec mon produit que je vais lancer? Ma personne, si tu suis cette chaîne, tu es sans ignorer qu'on ne lance pas un business sur la base d'une idée, mais sur la base d'un problème. On ne lance pas un business sur la base d'une passion, mais sur la base d'un problème. Parce que les hommes sont par essence égoïstes. Les gens n'en ont absolument rien à cirer de ta passion. Ce qui les intéresse, c'est en quoi est-ce que ta passion peut résoudre un problème qu'ils ont. C'est seulement lorsque ta passion résout un problème qu'ils ont qu'ils peuvent te donner de l'argent. Ça, tu le sais, donc rien de nouveau. En général, une fois qu'on sait que lorsqu'on veut lancer un business, il faut cibler un problème, la deuxième question que les gens se posent, c'est quels sont les problèmes à cibler? Parce que lorsqu'on se lance, tous les problèmes ne sont pas à cibler. Je vais te donner trois caractéristiques des problèmes que tu peux cibler qui peuvent te permettre justement de les transformer en argent. Un, si tu veux cibler des problèmes, écoute les plaintes des gens. Parce que lorsque les gens se plaignent, ça veut dire que le problème est réel. Si les gens autour de toi se plaignent du fait qu'à chaque fois, ils doivent faire des kilomètres pour pouvoir manger, ça fait un problème. Ça veut dire que si tu mets en place une alimentation à quelques mètres, ça fait une opportunité que tu peux saisir. Si les gens autour de toi se plaignent du fait que la maman qui fait à manger dans le quartier fait n'importe quoi, eh bien, ça fait un problème, ça fait une opportunité à saisir. Et aussi, si les gens se plaignent du fait qu'ils doivent faire à chaque fois des kilomètres pour aller chercher de l'eau, si tu réussis à ramener de l'eau à côté, ça fait une opportunité. Deuxième astuce pour pouvoir identifier des problèmes pertinents, c'est que à chaque fois
que les gens vont te poser la question de savoir comment on fait, trois points de suspension, problème, opportunité de business. Pour la petite histoire, ma personne, je ne lance jamais une formation sans que au moins deux personnes soient venues me poser la question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait trois points de suspension? Eh oui, parce que dès lors que les gens me posent cette question, ça veut dire que ces personnes estiment que je suis prêt. Donc, ça veut dire que je suis prêt parce qu'on ne voit pas ce qui n'existe pas. Et donc, maintenant, je travaille dessus pour pouvoir capitaliser sur cette opportunité-là. Et puis maintenant, la troisième astuce pour identifier, pour vraiment rentabiliser un problème, c'est de cibler des problèmes qui sont durs, des problèmes douloureux, des problèmes qui font souffrir les gens. Quelqu'un a mal à la jambe, quelqu'un vient de perdre sa copine, tu lui donnes une astuce et en échange, tu donnes de l'argent. D'ailleurs, les livres sur comment récupérer son ex sont des livres qui cartonnent parce que ça résout un problème dur. Hop, le problème doit aussi être urgent. Tu te rappelles bien qu'au début du coronavirus, on avait un besoin urgent de masques. Je connais d'ailleurs un ami d'Ali au Gabon avec son entreprise Be4You qui a fait un carton lorsqu'il a pu résoudre ce problème de masque. Parce que le problème était urgent. Trois, le problème doit être reconnu. Justement, lorsque quelqu'un te pose la question de savoir comment on fait, ça veut dire qu'il a déjà reconnu qu'il a un problème. Est-ce que tu captes un peu? Lorsque quelqu'un se plaint, ça veut dire qu'il a reconnu qu'il a un problème. Donc, si tu vas sur un problème qui est dur, urgent, reconnu, tu as tout gagné. Donc, ma personne, les trois astuces que j'avais à partager avec toi. Deuxième des choses, qui sont donc les problèmes, les personnes qui rencontrent mon problème? Je pense que notre grande sœur Amina, elle a déjà parlé de cela lorsqu'elle parlait du plan à présenter pour avoir un financement bancaire. On ne dit pas juste « je m'adresse aux gens ». Les gens, c'est qui? Non, c'est trop vague. Qui sont les personnes à qui je vais présenter les produits lorsqu'ils seront disponibles? Qui sont les personnes qui auront besoin de ce que je vais fabriquer? Qui sont ces personnes-là? Et ça doit être le plus précis possible parce que de cela va dépendre le troisième point, comment est-ce que je vais communiquer sur ma solution? Comment est-ce que je vais leur faire savoir que ce que j'ai répond aux problèmes qu'ils rencontrent? Très important. À la Startup Academy, on a baptisé ça l'équation entrepreneuriale. X qui est égal à Y plus Z avec X comme le problème, Y la population cible et Z le moyen de communication. Ma personne, il y a un peu plus de 2 ans en arrière, j'ai perdu un peu plus de 1000 euros dans un business parce que j'avais commis l'erreur de ne pas prendre le temps de savoir à qui je voulais vendre mon produit et mon service. Eh oui, parce que ma personne, tu peux avoir un très bon produit, très adapté. Mais tu t'adresses aux étudiants et il se trouve que les étudiants n'ont pas assez d'argent pour payer ton produit. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ton produit va prendre la poussière. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis même, ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que la stratégie de communication est intimement liée à la cible. On ne s'adresse pas aux jeunes comme on s'adresse aux personnes âgées. On ne s'adresse pas aux entrepreneurs comme on s'adresse aux salariés. On ne s'adresse pas aux professionnels comme on s'adresse aux amateurs. Donc, c'est capital que tu saches à qui tu veux t'adresser pour pouvoir bien définir ton moyen de communication. Et quand je parle de communication, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que même le prix, c'est un signal. Le prix, c'est un moyen de communiquer un certain nombre de choses. Lorsque tu mets un produit à 1000 euros et tu mets un produit à 100 euros, ce n'est pas du tout le même signal. Lorsque tu prends un produit qui coûte cher, tu le factures moins cher, tu envoies un signal comme quoi tu es en train de supplier les clients. Alors que lorsque tu prends un produit qui coûte moins cher normalement et que tu le factures cher, en fait là, tu vends une histoire. Et sache aussi que lorsque tu augmentes tes prix, tu augmentes aussi l'engagement des personnes qui vont venir acheter ce produit-là. Parce que prenons l'exemple de quelqu'un qui vient acheter une formation à 50 euros. Il n'aura jamais le même engagement qu'une personne qui achète une formation à 2000 euros. Mais bien sûr, lorsque tu mets un prix, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte derrière. Je vais essayer d'y aller de façon un peu pratique parce que là, le meilleur moyen pour moi, je trouve toujours, d'expliquer un concept, c'est de parler, que ce soit par expérience personnelle ou par une expérience d'un autre qui a été assez proche pour qu'on puisse la comprendre. Donc, je vais essayer de déployer ou bien de présenter la réalisation de ces étapes-là avec mon entreprise que j'ai créée, l'entreprise de fabrication de produits cosmétiques de Queen, où également il fallait répondre. C'était quoi le problème qu'il fallait cibler? C'était la crise identitaire. Et je vais parler de ça un peu plus profondément pour faire savoir qu'en réalité, même dans un projet industriel, tout comme dans tout projet entrepreneurial, c'est vrai qu'il faut résoudre un problème, mais il faut avoir, je vais dire, une vision, une idéologie. Il ne faut pas que ce soit juste la résolution d'un problème, parce que si c'est la résolution d'un problème, vous n'êtes pas le seul à avoir un produit qui résout ce problème-là.
C'est votre idéologie, c'est votre vision, c'est votre âme qui va faire en sorte que ce projet-là attire une clientèle précise par rapport à d'autres personnes qui auront exactement le même problème ou exactement la même solution et peut-être même moins cher. Mais on va préférer choisir votre produit à vous qui est même plus cher parce que ça répond à quelque chose de plus profond. Donc en réalité, ce produit, il ne venait pas résoudre juste, je veux dire, l'aspect des cheveux, ça c'est trivial. Il venait résoudre un problème identitaire. Parce que lorsqu'une personne vient vers vous en réalité pour acheter un produit cosmétique, c'est pas le produit cosmétique qu'il achète. Il achète la personne qu'il va devenir en utilisant votre produit. Quelqu'un de peut-être plus beau, on suppose. Quelqu'un qui n'aura plus le problème X, quelqu'un qui sera plus imposant, quelqu'un qui aura plus confiance en lui. C'est ça que la personne achète, c'est pas le produit. Parce que le produit lui-même, en réalité, il y a plusieurs choses qui peuvent remplir ces fonctions-là. Donc, il fallait résoudre le problème de la crise identitaire au travers de l'entretien capillaire. Parce que Dieu seul sait à quel point les noirs et leurs cheveux, c'est pas toujours évident de les réconcilier. Qui sont les personnes à qui le projet s'adresse? Forcément, ce seront les femmes africaines. Si une femme européenne prend mon produit, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner de la même façon. Parce qu'il a été formulé spécifiquement pour des cheveux afro. Donc, et on ne peut pas cibler. Là, je suis en train de parler à des personnes qui soit n'ont pas encore d'industrie, soit encore au début de leur marche industrielle. On ne peut pas décider de cibler tout le monde à la fois au même moment au début. Ce n'est pas possible. On va se disperser et au final, on ne va rien bien faire. Tu es obligé de choisir. Je prends qui? Maintenant, là, je m'occupe d'abord du cas de qui? Et c'est pourquoi on a une formation que l'on fait où on apprend à fabriquer plus de 150 produits cosmétiques. Quand je donne cette formation, en réalité, à la fin, je vais dire aux participants, « Ok, vous avez appris à fabriquer 150 produits, je vous invite à en fabriquer juste un. » Concentrez-vous sur la fabrication de l'un. Maîtrisez le process de fabrication, de distribution, d'approvisionnement sur un produit. Et quand vous serez capable de le faire, agrandissez maintenant votre gamme. Ne commencez pas en voulant prendre 450 choses à la fois, au même moment. Dès lors que l'on a ciblé, comment est-ce que je décide de communiquer? Les deux approches que j'ai choisies de façon préférentielle, c'était déjà de 1, les réseaux sociaux. Parce que Yann, il a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux sont venus démocratiser l'argent. Tout le monde peut avoir de l'argent maintenant, rien qu'à cause d'Internet. Tout le monde peut vendre un produit qu'il n'a même pas. Il voit une photo en ligne, il poste, il dit « Venez prendre ça chez moi ». Il n'a pas, il ne sait même pas comment est-ce qu'il va avoir. Mais quand les gens commencent à le contacter, il cherche un fournisseur et il fait la liaison entre les deux et il gagne ses marges. Donc à un moment, on n'est même pas obligé d'avoir directement ce produit que l'on a fabriqué nous-mêmes. On peut même acheter un produit que quelqu'un d'autre fait. C'est pourquoi je disais par exemple, dans le cas de la start-up cosmétique, on fait des marques blanches. Le principe d'une marque blanche, c'est quoi? C'est que je fabrique le produit, je te donne, tu mets ta marque. Tu n'es pas obligé de savoir comment est-ce qu'on fabrique, ça ne t'intéresse même pas. On fabrique à un certain standard, on te donne, et puis tu mets ta marque dessus. Et après, tu vends. Et sur les réseaux sociaux, c'est devenu tellement facile de cibler des personnes qui sont à 400 km, à 8000 km, dans des continents différents. C'est devenu vraiment plus évident. Il y a cela, et il y a également les événements. Tout à l'heure, je vais en parler un peu plus. Ma personne, lorsque tu vas te lancer en business, il y a de fortes chances que il y a énormément de concurrence dans le secteur d'activité dans lequel tu vas te lancer. Donc maintenant, pour que tu puisses te faire ta place sur ce marché-là, il va être capital que tu te crées une identité forte. Et lorsque je parle d'identité, il y a deux éléments majeurs sur lesquels tu pourras jouer pour créer une identité forte. Premier élément, c'est la marque. Sache que les business survivent tandis que les marques prospère. Les gens sont fidèles aux marques. Ils ne sont pas fidèles aux produits, ils ne sont pas fidèles aux services, ils ne sont pas fidèles au business, ils sont fidèles aux marques. Donc, lorsque tu lances ton business, trouve un nom de marque qui va parler à ta cible, un nom de marque qui est cohérent. Parce que je trouve souvent bizarre d'arriver dans... Dernièrement, quand j'étais au Cameroun, je suis arrivé dans une poissonnerie. La poissonnerie s'appelait, je pense, Dieu nous aide, un truc comme ça. C'est quoi ce nom? C'est un nom, qu'est-ce que ça véhicule? Ce n'est pas puissant. Non, ce n'est pas puissant. Donc, trouve un nom de marque qui va parler et qui va transcender le temps. Bref, un nom de marque qui parle à ta cible. Et puis, le deuxième élément auquel tu dois vraiment prêter attention lorsque tu vas vouloir construire une identité forte dans ton business, c'est ta proposition de vente unique. Ta proposition unique de vente. C'est très, très, très important. Parce qu'en fait, ta proposition unique de vente, c'est ce petit truc-là qui montre en quoi tu te distingues des autres. Quelle est ta valeur ajoutée? En quoi est-ce que tu es unique?
Et les gens vont venir justement pour chercher ce petit truc-là que tu as en plus par rapport aux autres. C'est pour ça que très souvent, les marques qui se respectent accompagnent leur marque, leur publicité d'un slogan. La Startup Academy, c'est quoi son slogan? L'art d'innover sans diplôme. Red Bull, c'est quoi son slogan? Red Bull vous donne des ailes. Les éditions Argent Livre, c'est quoi son slogan? Nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. On sait exactement à qui on veut s'adresser. Et pour mettre en place un slogan, pour concevoir une proposition unique de vente, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a 6 étapes précises pour définir son slogan. Si tu souhaites que je partage avec toi ces 6 étapes efficaces pour avoir un slogan pertinent, une proposition unique de vente pertinente, dis-le-moi en commentaire pour que je prépare soit pour une autre vidéo. La suite est le passage à l'action. Tout à l'heure, je disais, il y a des gens qui vont toujours trouver des excuses pour ne pas agir. Mon projet là, c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est un projet que j'aime beaucoup. J'aime le projet là. Mais il me manque encore 20 000 francs pour lancer. Dès que j'ai les 20 000 là, non, laisse, je vais lancer le projet. On te donne les 20 000. Le projet là, en fait, c'est un peu plus complexe. C'est vrai qu'il y a les 20 000 là. Mais j'attends qu'on m'invite à la tri. Tant qu'on ne m'invite pas à la tri pour parler de mon projet, ce sera très compliqué. Je ne pourrai pas lancer. On organise l'événement, on te donne la place. C'est vrai que j'ai le stand à la tri, mais quelqu'un qui veut des excuses pour ne pas lancer son projet va toujours en trouver. Il y a ceux-là, il y a des perfectionnistes, il y a ceux qui attendent toujours que ce soit propre, du premier coup. Il a parlé du iPhone 1, ça m'a fait vraiment rire. Le iPhone 1, ça existait avant. Ça ressemblait à quoi? Aucune idée. Mais il a fallu quand même qu'on le fasse. Et en le faisant, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont sorti le 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous ne commencez jamais quelque part, vous n'allez même pas gagner de l'argent. Ça, c'est sûr. Au moins, en le faisant, on prend un risque, c'est clair. Mais dans le risque, soit on gagne, soit on perd. Et il y a la probabilité de gagner. Mais dans l'inaction, il n'y a même aucune probabilité de gain. Ça ne va juste pas arriver. Donc, plutôt que de s'embrouiller, l'idéal, c'est de faire quoi? On passe à l'action. Là, ça tombe bien parce que c'est une femme qui en parle. La perfection, c'est l'ennemi numéro un du progrès. Je répète, la perfection, c'est l'ennemi numéro un du progrès. Ma personne, si tu as une amie qui est une femme, une amie, partage cette vidéo avec elle. Parce que cette partie-ci va beaucoup l'intéresser. Je travaille avec les hommes et les femmes. Je me suis rendu compte qu'en général, les femmes ont énormément de problèmes à se lancer. Pourquoi? Parce qu'elle s'attarde sur des détails. Parce qu'elle veut que tout soit nickel avant de se lancer. Bilan des causes, elle attend pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, sans jamais se lancer. Et puis à 50, à 60 ans, 70 ans, elle disait, ouais, si j'avais su. C'est là où les hommes vous dépassent. C'est que nous les hommes, comme nous sommes un peu bouillons sur les bords, on se dit, ce n'est pas parfait, on y va quand même. Alors qu'une femme, elle va toujours chercher la petite bête. Il faut que ce soit vraiment parfait. C'est bien. Et ce n'est pas bien. Au début, lorsque tu veux te lancer, il faut accepter que ça sera un peu brouillon. Fais d'abord. Tu vas voir après. Eh oui, fais d'abord. Ne cherche pas à légaliser vite. Au début, personne ne te connaît. On s'en fout de toi. Fais d'abord, fais tous les tests. Et avec le temps, tu vas peaufiner. Regarde aujourd'hui, tu vois cette vidéo. J'ai acheté une nouvelle caméra. Mais avant, j'ai commencé avec mon téléphone. J'ai acheté une caméra de moins bonne qualité. Maintenant, j'ai acheté celle-ci. Et même plus tard, on va acheter une caméra de meilleure qualité. Parce qu'on progresse. C'est le processus qu'il faut suivre, ma personne. Donc, vous, les femmes, là, arrêtez ça. Ce qui est bien dans chez vous, de travailler avec une femme, c'est que, une fois que vous êtes dans le processus, puisqu'elle cherche toujours la petite bête, elle vous pousse sans cesse à évoluer. C'est pour ça qu'en général, même dans le YouTube game, en général, je précise, les femmes s'en sortent beaucoup mieux. Elles ont beaucoup plus de visibilité que les hommes. Donc, voilà, ma personne, ce que je voulais partager avec toi. J'espère que les 4 conseils de Nancy Ongolo t'auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous dire en commentaire lequel de ces conseils t'aura été utile. Sur ce, ma personne, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons en dessous de cette vidéo. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Et sois-en sûr, je ferai tout mon possible pour te produire un contenu qui sera de plus en plus de qualité afin que tu restes scotché à cette chaîne à tout jamais. Nina Kanou.